Moi, j'ai une question à te poser. Tu veux ma question? Oui, papa. À quel moment vous serez prêt à accepter, peut-être, hein, je ne parle pas maintenant, je ne dis pas maintenant, je dis peut-être, que dans l'avenir, à quel moment vous serez prêt à accepter qu'une autre femme rentre dans la vie de votre papa? Si une femme doit rentrer, puis quel genre de femme vous allez accepter? Ben, c'est vous qui allez choisir. Moi, je ne choisis plus. Hein. Moi, je ne suis plus tombé amoureux. Quand vous tous allez partir, que je serai vieux, j'aurai une canne, personne ne peut s'occuper de moi. Là. À quel âge, selon vous? Ou bien jamais, 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 jamais. Si c'est jamais, c'est dit jamais, moi, c'est dit jamais. Voilà. Je reste comme ça quand je suis vieux, vous amener une servante pour s'occuper de moi. C'est mieux, non? Et pourquoi? Je vais remplacer ta maman. Ah bon. Quelqu'un a mis 120 ans. On dit qu'il me faut 120 ans. 120 ans. On ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Dis-moi. Vous parlez. J'ai pas encore prête à avoir quelqu'un d'autre. C'est pas maman. Non, ça, moi, mais je sais. Comme on a dit, on pose les questions comme ça, j'ai posé cette question. Je ne sais pas parce qu'il y a quelqu'un. Personne ne peut prendre la place de votre maman. Ça, jamais. Je pense même pas qu'il peut tomber encore amoureux d'une autre femme. Ça, c'est pas pour lui. Donc, arrête de pleurer. Hey. Moi aussi, là, je ne suis pas encore prêt que quelqu'un d'autre vienne prendre ma place dans votre cœur. Mais je n'ai pas le choix. Le jour où tu as tes mariés, de toute façon, que je vais pleurer. Hein? on vient prendre mon bébé. Hein, mon bébé? Oh, ce jour-là, tu seras trop belle. Tu seras en blanc, mais tu seras contente. Ta soeur, c'est elle qui sera au four, au moulin. Elle va courir à gauche, à droite. Ce jour-là, ça sera difficile pour moi, hein. Ce sera très 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 difficile pour moi de te voir partir comme ça. Puis il est resté mon seul. Et tes petits frères. Oh, je suis content, mon bébé. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, papa. Je t'aime énormément. Je ne veux pas te voir pleurer, hein? Parce que je t'ai posé la question, parce que sur plusieurs plateaux, tu sais qu'on va poser beaucoup la question. Les obstacles à Coco, maman, faites un achat sur l'application Gadjo Livestock et ayez la chance de gagner un bœuf, un mouton, une chèvre, un poulet et même du poisson. Merci Mako, je pars télécharger immédiatement. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Métolieur, fatigué des coupures répétitives des néos qui entraînent la décomposition de vos denrées alimentaires, Gadjo Livestock a la solution. Grâce à son portefeuille, programmez vos achats en fonction de vos besoins et faites-vous livrer gratuitement. Merci. Ouais, Asia ma grande, j'imagine que ce n'est pas du tout facile toi de vivre sans ta maman, c'est vrai, tu es déjà adulte et tout, mais le départ d'une personne qui nous est chère reste dans la vie, reste dans nos mémoires, c'est difficile de l'oublier. J'imagine donc qu'avec la question de ton papa, tu as dû ressasser le passé, te rappeler encore de quand ta maman était présente, des moments heureux que vous passiez souvent ensemble, tous en famille, et c'était tellement beau. J'imagine que ça doit te faire mal, qu'elle doit vraiment te manquer. Et j'apprécie aussi beaucoup le comportement du général Camille Makosso vis-à-vis de sa fille. Le fait de lui demander en quelque sorte son accord avant de se mettre avec une nouvelle femme, avec une autre femme, c'était tellement émouvant de les voir discuter ensemble comme ça. Elle a fini malheureusement par pleurer parce qu'elle ne supportait pas toutes les pensées qu'elle a eues. Elle se disait non, ma maman, je ne vois personne qui va la remplacer, etc. Ce n'est vraiment pas facile. Donc pleurer là sur le champ, c'était vraiment pour elle une sorte, une façon de se libérer quoi. Ouais, Asia ma chérie Coco, Asia, ce n'est vraiment pas facile, mais tôt ou tard, sache que ton papa devra prendre une autre femme parce que
toi aussi, plus le temps passe, plus tu grandis, tu vas finir par trouver un homme qui te conviendra, un homme avec lequel tu auras envie de partager ta vie et tu vas finir par laisser ton père toute seule pour aller former, fonder ta propre famille, ton propre foyer, avoir tes enfants à élever aussi et ton papa, lui, il sera seul de son côté. Je ne sais pas si c'est à partir de ce moment-là qu'il va prendre une autre femme ou s'il le fera avant ton départ ou votre départ parce que tu n'es pas la seule fille du général Camille Makosso. Mais bon, il va falloir que vous compreniez que lui aussi, il en a besoin. Il est encore très jeune, il est encore en forme, comme on dit souvent là-dedans. Pour lui aussi, j'imagine que c'est pas très facile. C'est vrai, il a dit que pour le moment, il n'a pas trop l'intention de prendre une autre femme. Mais je me dis que il y pense déjà et il est déjà en train d'amener le sujet avec l'une de ses filles. Je pense que c'est la plus grande de ses filles, afin que déjà, si elle peut voir si elle est déjà, elle accepte parce qu'elle est la plus mature en quelque sorte. Donc si elle probablement elle accepte, probablement ses cadets aussi accepteront plus facilement la chose et peut-être ça sera grâce à elle que la nouvelle va arriver à ses cadets. Il aimerait peut-être passer par elle pour annoncer la nouvelle à ses sœurs et frères. Donc ouais, du courage ma chérie, du courage. La perte d'un parent n'est jamais chose facile. Ça va aller ma chérie, ça va aller. Et je pense que même pour le général Makosso, il va trouver une solution à ça. On dit souvent, laissons le temps au temps, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Le jour que toi, tu vas aussi trouver quelqu'un dans ta vie qui compatira avec tes besoins, qui aimera tes enfants comme leur mère les a aimés, je pense que ça va aller. Il suffit juste de trouver la bonne personne, la personne qui va t'accepter tel que tu es avec tes enfants et qui va aussi aimer tes enfants, les accepter tels que ses propres enfants. Donc, beaucoup de courage à vous. J'ai vraiment aimé le comportement de Camille Makosso vis-à-vis de sa fille. Le fait de vouloir avoir son approbation, son consentement avant de se mettre avec une autre femme. Franchement, c'est pas tous les papas qui auraient fait ça. On vous imposer les choses, mon frère. Maman, non, c'est bien. Et Kimi aussi, elle a été très franche, elle a été sincère. Elle a dit qu'elle n'est pas prête. Après, son papa est adulte, donc c'est à lui de prendre la décision finale. Est-ce qu'il veut se mettre avec notre fille, sachant que ses enfants ne sont pas encore prêts pour cela? Qui sait, même peut-être il a déjà quelqu'un dans sa vie, mais il ne l'a pas encore présenté à ses enfants. Il attend que ceux-ci soient prêts pour cela. Ah, c'est juste les questions que je me pose. Je m'interroge. Donc voilà, mes tolières, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est pas toujours les discussions dans la vie, c'est pas toujours la tristesse. Il faut aussi savoir partager les bons moments et des trucs qui font plaisir, des trucs qui font penser encore que oui, dans ce monde, la fraternité, l'amour, l'altruisme, ça existe encore. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous proposons en plus des accessoires comme le pistolet Tirelet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Donc voilà, comme d'habitude, on like la vidéo, on s'abonne à la page, un maximum de partage s'il vous plaît. Donnez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous du comportement de Camille Makosso vis-à-vis de sa fille? Vous, en tant qu'homme ou en tant qu'enfant, comment auriez-vous réagi si vous étiez à leur place? Voilà, c'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao! Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, a second time and a second day, you will love when you don't believe. Everyone you see, be a time, say I'm sorry.